La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le 16 janvier 1998. L'émission Maurice et la nuit se déroule depuis le Rock'n'Roll Studio à Paris. Et dès le début de cet épisode, Maurice demande aux auditeurs de répondre de manière argumentée à la question suivante. La France est-elle un pays d'hypocrites? Ensuite, Jacques de Sévérac intervient pour exposer son problème de grande précarité et demande conseil à Maurice. Avec l'intervention de certains auditeurs, va se mettre en place spontanément un radioton, soutenu par certains, critiqué par d'autres. La solidarité est au centre de la question. Maurice commente également la médiatisation d'une actualité dramatique et l'attitude des Français face à celle-ci. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. Alors, tu vas là, je te prie. Il y a quelqu'un? Oui. Qui es-tu? Jacques. Quel âge as-tu? 60 ans. Où es-tu? À Sévérac. Qu'est-ce qui t'amène ici? Il m'amène ici que j'ai des problèmes. Quel type de problème as-tu? J'ai des problèmes d'abord pécuniers. Et comme je suis au chômage en fin de droit, et que ces gens-là, gentiment, m'ont baissé le taux de, comment dirais-je, disons qu'il y a 2 mois, je touchais 106 francs par jour pour vivre, et que maintenant, c'est descendu à 94 francs par jour. Alors ça me révolte un petit peu. J'ai des problèmes de santé et je ne sais pas de quel côté me tourner. Alors j'aimerais bien que quelqu'un vienne me porter conseil, me dire ce qu'il y a à faire et puis essayer de solutionner le problème. Assistance sociale? Comment? Assistante sociale, par exemple, pourrait t'aider. J'entends pas. L'assistante sociale pourrait t'aider. Ah, voilà. Celle de ton coin. Pourrait te conseiller. Tu vas la voir? Oui. Dès demain. Je n'ai pas le droit de conduire ma voiture parce que je suis cardiovasculaire et je risque l'infarctus du myocarde d'un moment à l'autre, donc il m'est interdit de conduire mon véhicule et je n'ai pas toujours quelqu'un sous la main pour me conduire. Bah, passe un coup de fil à la mairie et à la mairie on essaiera de te trouver sans doute une solution pour être pour que tu puisses être transporté. Et tu penses que ça pourrait marcher? Oui, il y a des chances. Oui. Appelle la mairie demain, je peux pas te le jurer, mais je pense que si tu appelles la mairie de Sivrac, on risque d'essayer de trouver une solution te concernant. Ok? Pour l'instant, moi, je suis coincé. J'ai plus rien... Enfin, je n'ai aucune réception d'argent. Au contraire, j'en dois. Et... j'ai plus rien à manger non plus. Jacques. Je me contente d'une soupe de vermicelle par jour. Jacques. Jacques. Oui. Appelle la mairie demain. D'accord? Oui. Et tu me diras ce qu'ils t'ont raconté. Et vous pensez faire quelque chose, vous? Moi, je ne ferai rien, Jacques. Mais demande à la mairie. Oui. D'accord? Je compte sur toi? Je vais essayer. Tu me rappelles demain pour me dire? Oui. Oui. Je vais faire un effort, mais... Cet effort, tu vas le faire... Jacques, cet effort, tu vas le faire pour toi. Tu vas pas le faire pour moi, ni pour quiconque. Tu
Tu vas le faire pour toi uniquement. Oui. Mais c'est très dur. Jacques, tu as pris ton téléphone ce soir pour m'appeler. Comment ? Tu as pris ton téléphone ce soir pour m'appeler. Oui. Bah, tu fais exactement la même chose. Pas simplement pour discuter, mais pour essayer de te sortir de ce pas en appelant non pas ici, mais la mairie. Oui. Tu verras, c'est pas un effort plus grand. Mais le résultat peut être beaucoup plus intéressant pour toi. Ok ? Je sais pas si la mairie de Civrac fera quelque chose pour moi. Moi non plus, Jacques, mais il y a plus de chances que la mairie de Civrac fasse quelque chose pour toi que moi. Tu comprends ? Oui, je sais, c'est pas toi qui vas me porter un paquet de nouilles ou un kilo de patates. Voilà, alors que la mairie peut peut-être faire quelque chose pour toi. Peut-être, je dis bien. Mais enfin, c'est plus à la mairie de s'occuper de ton cas que, tu vois, qu'à d'autres gens. C'est très dur. J'imagine bien, Jacques. C'est pour ça qu'il est urgent de s'en occuper. Ça fait trois mois que je vis comme ça, et je commence à affaiblir. Les forces me manquent. Je fais des efforts pour lutter contre le mal. Mais c'est dur. C'est dur, surtout quand on est seul. T'es parti ? Non, non, je suis là, je t'écoute, Jacques. Je vais faire en sorte. Je vais faire en sorte de voir Monsieur le maire demain. Je crois que c'est une bonne idée, Jacques. Excuse-moi. Je suis pas une petite fille. Bonsoir, Maurice. Bonsoir. Bonne nuit à toi, Jacques, et appelle-moi demain pour me dire comment ça s'est passé avec le maire de Civrac. D'accord ? Si vous pouvez passer dans le coin... On viendra te saluer si on est dans le coin. Vous comprendrez dans quelles conditions je vis. C'est pas brillant. Après tout ce que j'ai fait, on parle plus de tout ça. Bonsoir, Maurice. Jacques, ne bouge pas. Merci de m'avoir écouté. Jacques, ne bouge pas. J'en reviens. J'en reviens. Maurice. Le sorcier des ondes est de retour. Dans ta radio à toi. Alors, tu vas là, je te prie. Oula. On secoue, on débranche, on fait je sais pas quoi. Ça devrait marcher dans la force. C'est vrai. Donc, je suis désolé, voilà, claque. Vas-y, on met le souk. Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Bah, toi, comme t'entends pas, donc tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas, j'arrive. C'est énervant, hein, cette histoire de téléphone. Ce sera réglé demain. Là, peut-être, non. Pierre, t'es là ? Bah. C'est tout très agaçant. Faut taper dessus pour que ça marche. Tu sais, c'est les appareils américains, faut taper dessus. C'est l'habitude. Hein. Enfin, tu ne tords pas le capot, autrement, on ne le remboursera jamais. Ça vaut le prix de deux Renault Espace, là, ça l'a pris. Bah. Ça y est ? Ça marche ? Pierre, tu es là ? Voilà. Le temps qu'il trouve, là, démerdez-vous, que ça marche. Puisque ça marchait tout à l'heure, ça doit marcher à nouveau. Le temps que ça fonctionne. Je veux juste dire un truc. Je suis désolé pour les gens qui nous écoutent en Guadeloupe, ça va merder un petit peu, hein, mais je suis là. Je suis là, vous allez faire clic, clic, clic. Entre les deux, on aura un petit bout de zig, puis je serai là. Bon. Tu vois, toi qui es chez toi, j'ai les yeux rivés sur mon écran. Il y a 3 minutes et demie, il y avait dans ta radio, là. Je sais que tu es là. Ouais. Il y avait un monsieur qui s'appelle Jacques, qui a 60 balais. La détresse complète. Toi qui as toujours ces grandes phrases à la bouche, il faut céder la solidarité, le machin de truc. Je pensais qu'immédiatement tu brûlerais mon téléphone pour venir soutenir ce Jacques.
Je pensais que tu dirais, voilà, je suis à 100 km, à 30 bornes, à 800, mais je vais faire un effort, je peux pas supporter ça. Mais t'es pas là. Après, tu me diras quand je dis quelque chose que c'est de la provocation, c'est ça? Quand je vais dire que tu n'aides pas, que tu es un fief et menteur, un hypocrite, tu me diras que c'est de la provocation et que j'exagère, c'est ça? La vraie différence qu'il y a entre toi et moi, c'est la théorie et la pratique. Je suis la pratique, tu es souvent la théorie. Pierre, tu es là? Ouais, je suis là, ouais. 16 ans, La Rochelle, oui. 16 ans, La Rochelle. Donc, je vais parler de l'hypocrisie. Oula. Ouais, donc, je viens parler de l'hypocrisie. Donc, avant de parler de l'hypocrisie, j'aimerais la définir, si tu veux bien. Oui. Alors, l'hypocrisie, c'est une définition du petit Larousse. Alors, défaut qui consiste à dissimuler sa véritable personnalité et à affecter des sentiments, des opinions et des vertus que l'on n'a pas. Bon, je crois que c'est suffisamment clair. Donc, moi, je distingue deux sortes d'hypocrisie dans notre société. Une hypocrisie qui touche plutôt la population et une autre qui touche plutôt le système français, on va dire. Donc la population, par exemple, quand on rencontre une connaissance et que ce dernier nous demande si ça va alors qu'il n'en a absolument rien à foutre et il nous écoute même pas répondre, quoi. Ne bouge pas, hein, ça vient, mon vieux. Alors, c'est vrai. Ça vient. Mais là, c'est vrai que pour réparer cet appareil, par exemple, il va nous falloir quelqu'un qui ait une solide formation, hein? Une très solide formation. Oui? Il ne faudra pas un Français, hein. Il faudra quelqu'un qui sait s'en servir, qui sait réparer. Qui a un appareil. Tu es là, Pierre? Ouais, je suis là, ouais. Bats-toi, mon vieux, avec le téléphone, hein? Ici, il y a de la place que pour les battants, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, on ne t'entend pas. Démerde-toi, machin. Pierre, je te mets sur la touche 2 minutes le temps qu'ils trouvent ce qui va pas. Enfin, qu'ils essaient de secouer le truc. Parce que c'est dedans, c'est tout informatique, machin chose, donc quand ça merde, personne ne peut réparer, sauf les gens qui ont vraiment un cursus scolaire épatant. Très impressionnant. Tu es là? Non. Oui, tu es là, mais tu es mal. Tu es très mal. Ne bouge pas, j'arrive. Réparez-vous, démerdez-vous. Autrement, vous êtes viré. C'est vrai. Parce que vous, normalement, vous êtes des professionnels, vous êtes payés. Vous êtes censé avoir une certaine formation. Non? Donc, vous allez trouver. Le temps de trouver Pierre, j'arrive à mon bon. Je voulais insister sur ce Jacques qui est dans le besoin. Te demander où tu es. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, hein? Quand tu entends Jacques, tu es dans un spectacle? Hein, dis-moi. Est-ce que tu es au spectacle ou est-ce que tu pleures simplement en te disant que c'est bon? Que tu as fait ta bonne action, ta BA. Et puis que tu t'en laves les mains. Ou est-ce que tu es tétanisé, tu as la trouille? N'oublie pas, toi qui es chez toi, que nous sommes tous des Jacques potentiels. Mais pas des Chirac, hein. Des Jacques comme celui-là. Pas des Jacques qui roulent en CX, non. Des Jacques pour lesquels plus personne ne roule. Des Jacques qui mangent de la soupe au vermicelle une fois par jour. Ah, je sais, tu as tellement l'habitude du spectacle. Tu as tellement l'habitude de toute cette exagération appuyée sur le commerce que pour toi, Jacques, c'est un morceau d'un feuilleton, c'est ça? Ce que tu demandes, toi, ce que tu demandes, c'est ça. Ce que tu demandes, c'est... Le guide a été placé en garde à vue hier soir, l'avalanche était prévisible. Ce que tu demandes, toi, c'est... Qu'à un moment, on prenne un truc horrible, un Jacques ou une avalanche, et puis que les plus sérieux d'entre nous, que les grands journaux, que les grandes radios, les grandes chaînes de télé, aillent te faire voir les gens Montignol bretonneux en train de pleurer le lendemain. Ce qui te plaît, c'est de voir l'entrée à l'école des rescapés, de leurs camarades.
C'est ça qui te plaît, toi. C'est ça que t'as envie de voir. Et aujourd'hui, tu t'es empressé d'allumer ta radio ou de regarder le 20h pour voir ces images de mômes qui auraient pu mourir, en te disant que peut-être qu'on te montrera un de ces malheureux enfants. Et puis, ce qu'on t'a préparé, ce qui est en train de se dessiner, c'est la suite. On va prendre le guide, et puis on va le pendre. C'est ça qui te plaît, pas vrai? Ce type, c'est un peu toi, un peu moi. C'est un type qui travaille et qui fait une énorme connerie. Un truc qui fait qu'il sait qu'il est déjà puni. Un truc horrible, un truc monstrueux. Un truc qui lui donnera sans doute à lui envie de mourir. Ce qui te plaît, c'est qu'on prenne ce type et qu'on lui dise, qu'on lui répète, qu'on le batte. Et qu'on lui dise, c'est de ta faute, c'était prévisible. Et tout le monde va expliquer qu'en fait, il le savait, jusqu'à donner l'impression, pourquoi pas, qu'il l'a fait exprès, qu'il l'a fait volontairement. C'est ça qui t'intéresse, c'est ça qu'on te donne. La France en deuil, l'avalanche était prévisible. Et puis ce type, qu'on va te faire voir à la télé sous tous ses angles. Et puis sa famille. Et puis les parents de ceux qui ont péri. Et puis les parents de ceux qui n'ont pas péri non plus. Parce que toi, tout ça te plaît, tu te vautres dedans, tu n'en rateras pas une miette. Ah non, pour rien au monde, n'est-ce pas? Tu n'iras pas jouer au tennis, tu ne regarderas pas le film à sensation, tu attends le reportage. Tu attends la norac ensanglantée, tu attends la paire de gants paumée dans la neige. Parce que c'est ça que tu aimes. Après cela, tu vas prendre ton téléphone, venir ici et dire « Oui, je trouve ça scandaleux, qu'on montre la violence, qu'on montre l'horreur. » Mais pourtant, dès que tu peux en prendre un morceau chez toi privé, sur ta grande télé, avec ton son Dolby Stereo Surround, alors là, tu t'en mets plein la gueule. Tu te vautres dedans, tu essaies de prendre des exemples. Oui, l'affaire n'est pas finie, non. Elle ne fait que commencer. C'est le Titanic. La catastrophe a eu lieu. Maintenant, toi aussi, tu vas pouvoir donner ton mot, apporter ta position. Et surtout, ce qui est important pour toi, c'est de voir, surtout de voir le plus possible pour dire que c'est horrible. Tu vas peut-être collectionner les journaux, faire des découpages, pour être sûr de t'en souvenir. Et si tu peux, si tu as l'occasion, cet hiver, au lieu d'aller dans les Pyrénées pour faire du ski, tu vas aller aux Orques, là-bas, pour essayer de t'approcher de l'endroit, pour éventuellement rencontrer les parents d'une victime, pour repasser dans les lieux. Si on se lâchait, et si on te faisait véritablement plaisir, on ferait visiter le site pendant des années, en faisant payer 10 francs l'entrée et en mettant des croix par terre pour que tu fasses des photos. Parce que ce que tu aimes, toi, c'est ça, c'est la boue. Ce que tu aimes, c'est tout ce qui fait vomir, tout ce qui est dramatique. Toi qui veux de la gentillesse, du bonheur, toi qui veux qu'on te respecte, si tu pouvais, tu irais t'asseoir ou te coucher dans le lit d'un de ces mômes. Pour dire « j'y étais, je m'en suis approché », c'était dégoûtant. Ah, si tu pouvais, tu passerais ta nuit à l'hôpital. Et tu avais eu du temps, tu serais monté dans l'hélico pour essayer toi aussi d'aller toucher un morceau de quelque chose. Ah, ah, je sais, tu vas dire « non, pas moi ». Mais c'est pour toi tout ce spectacle. C'est pour toi. Si c'est marqué ici, là, en première page, c'est pour toi. C'est juste pour toi. Parce que dans la réalité, ça concerne ce guide, ces gens, ces victimes, ces parents, ces mômes. Toi, ça ne te regarde pas. Mais dans quelques semaines, tu seras tout content parce que tu sauras tout. Tout. Tu pourras en parler. Te baigner dedans, n'est-ce pas ?
Pierre Cézanne-La Rochelle ? Ouais, Pierre Cézanne-La Rochelle. Bon, on va essayer, vas-y. Bon, avant toute chose, j'aimerais dire que je pose 500 balles de points sur la table pour notre ami Jacques. Est-ce que ça te branche, Maurice ? 500 balles ? 500 balles. Je joue, tu nous les envoies. En liquide ? Pas de problème. Par chèque, explique-moi. Ah non, liquide. Allô ? En liquide. Liquide ? Ouais ? Dans une enveloppe, pas de problème. Voilà. Bon, ok, ça roule. Ceci, tu noteras, hier, 16 ans La Rochelle, 500 balles pour Jacques. Spontanément. Et Jacques, tu n'oublieras pas de nous envoyer ton adresse. Si on le retrouve pas, on te renvoie ton fric. Ça te va ? Ok. Non, beau geste. C'est marrant, t'es le seul. Les autres n'ont peut-être pas de monnaie sur eux. Ouais. Bon, alors je continue donc ma conversation sur... l'hypocrisie. Donc, je disais que les gens étaient hypocrites parce que quand ils nous croisaient dans la rue, ils nous demandaient si ça allait alors qu'ils s'en foutaient de notre réponse. Donc ça, c'est une preuve d'hypocrisie, par exemple. Et il y a une autre hypocrisie qui est un peu différente, c'est l'hypocrisie du système. Par exemple, on nous dit qu'on est dans une démocratie alors qu'une démocratie, en réalité, c'est... On t'entend plus, mon bon Pierre. Donc, break à nouveau. Non, t'es là ? Ouais, je suis là. Ouais. Ouais, je crois qu'il aime pas notre truc. Ça continue, je vais donner la marque. Allô ? Ouais. T'entends, c'est bon ? Ouais. On attend toujours le réparateur, nous, je vais dire. Il nous a promis qu'il passerait demain. On va peut-être le séquestrer, on va voir. Mais s'il reste ici avec moi, ça va être bad news quand même. Enfin, je pense que le mec aura plutôt envie de réparer, de se casser. Tu es là ? Bon, Pierre, ça marche pas. Je suis désolé, mon vieux. Je suis désolé, mais ça ne marche pas. Pierre ? Bon, ça ne marche pas. Allez, hop. On va attendre un peu. Prends le téléphone de Pierre, hein, Chaussis. On essaiera plus tard. J'ai des fax, des lettres, des propositions. Mon fax c'est 0803 02, j'ai oublié, 6315. Maurice. 24 heures sur 24, fax Maurice. Fax Maurice, fax. 0803 02 63 15. Radio libre. 02 63 15. Et 0803 02 63 15. Ceci, si tu prends le numéro de Marie-Hélène aussi, tiens, on va la rappeler tout à l'heure. Pour le moment, c'est. Tiens, moi. Les journaux, c'est l'information. Monsieur Durand est mort cette nuit. Monsieur Durand avait 78 ans, il habitait dans un village. Les auditeurs voudraient quoi ? Avoir quoi ? Ah oui, avoir les coordonnées de Pierre. Non, de Jacques. Ah, de Jacques. Mais les auditeurs qui veulent avoir les coordonnées de Jacques, c'est pour quoi faire ? Pour faire un film ? Ah non. Demande à ces gens ce qu'ils veulent, Chaussis. Il n'y a qu'à faire comme Pierre. Pierre a déposé 500 balles sur la table, il a 16 ans. Ça fait du bien pour l'avenir, hein. Les donneurs de leçons, là, les 45 balais, ils sont où ? Ceux qui savent, ceux qui ont des positions bien tranchées, ils sont où ? Ils ont déposé combien ? Ceux qui ont acheté une maison et une voiture à crédit, ils sont où ? Ils ont pas le téléphone ? Ah non, ils sont pas intéressés. Non, ils sont pas là, ce soir. Pas vrai ?
Tu sais, toi, que je croise partout où je vais, qui me dit je veux un autographe pour mon fils, ma fille, ma cousine. Je vois dans tes yeux que c'est pour toi. Théo. Avoir les coordonnées de Jacques pour le faire chier, c'est ça? Et si tu veux laisser quelque chose à Jacques, n'hésite pas, je suis là, moi. Je vais faire. Fais comme Pierre, fais-moi confiance. Hmm? On va le blé. Tu envoies le blé à... avec tes coordonnées, bien sûr. À Maurice Radio Libre, CEDEX 23... 48, je crois. Attends. Oui, Maurice Radio Libre, CEDEX 2348, 99-234, 99-234, Paris Concours. Envoie, n'hésite pas. Avant de repasser à Jacques, je vais finir les journaux, même si Jacques et les journaux, c'est la même chose. Monsieur Durand, 78 ans, 85 ans, est mort. Il est mort ce week-end. Il est mort de sa belle mort, comme on dit. Il s'est éteint. Il n'est pas en première page des journaux. Parce que sa mort ne t'intéresse pas, c'est une mort banale. T'en fous. Machin truc chouette est mort ce week-end en faisant 14 tonneaux avec une bande de potes. On le met dans les journaux parce que ça t'intéresse. Si on peut, on te met une photo de la voiture broyée. Et toi, tu ne regardes pas la photo, tu la scrutes. Et s'il faut, tu te payes une loupe pour voir s'il n'y a pas un morceau de bras. Parce que c'est ça que tu veux. Ah oui, tu vas me dire les journaux, les journaux. Mais si les journaux mettent ça en première page, c'est parce qu'ils savent pertinemment que c'est ce que tu veux voir et que c'est ça qui les fera vendre. Ce matin, j'étais horrifié, écœuré. J'ai écouté cette radio que j'écoute régulièrement pour savoir ce qui se passe, qu'est France Info. Et j'ai eu droit à un reportage à Montigny-le-Bretonneux, l'endroit d'où venaient les enfants, dont une forte partie a disparu. Pour que t'aies envie d'écouter, ils sont allés à Montigny-le-Bretonneux pour demander à des enfants, alors ça te fait quoi qu'elle soit plus là, ta copine qui était juste à côté? Tu peux pas pleurer un peu devant le micro? Alors on a interrogé les profs, les machins et les trucs. Parce que c'est très important pour toi d'entendre, puisqu'on ne peut pas te donner le son et l'image de la catastrophe, d'entendre ceux qui pleurent, ceux qui sont malheureux. Au lieu de leur foutre la paix, au lieu de se dire « ça suffit, c'est horrible », on y va, on se vautre dedans, on va prendre des détails. Et bien entendu, tu espères, j'en suis sûr, qu'un de ceux qui vient de s'en sortir viendra raconter en détail ce qui s'est passé, ce qu'il a fait. Et tu vas prier le ciel pour qu'il ait eu l'idée, la présence d'esprit de faire quelques photos. Ah, tu aimes ça, hein? C'est pas les journalistes, c'est toi. C'est toi qui es écœurant, Burke. Toi qui fais des belles phrases. Toi qui veux l'amour. Voilà. Voilà ce que tu achètes. Tu achètes ça parce qu'autrement tu te sens pas bien. Ça m'en malade que tu sois comme ça. On n'y peut rien, t'es comme ça. Et puis il y a Jacques. La misère au quotidien, le mec qui en peut plus, qui est au bout du rouleau. Quand Jacques arrive, tu te fais tout petit derrière ton poste de radio. T'as peur qu'on te voie, qu'on te reconnaisse. Tu feras comme si t'avais pas entendu demain, hein? Et puis si on se croise quelque part, tu feras celui qui a pas pu. J'avais envie, mais je n'avais pas de téléphone. Je voulais, mais j'avais pas d'argent. Maintenant, j'aurais pu faire tout de suite. Hmm.
qui t'intéressait, Jacques met à la télé. Le grand show. On donne de l'argent aux malheureux. Là, ça t'intéresse, là. Oh là là. Entre deux pubs, des beaux costards, des beaux habits. Là, tu mets ton fric parce que ça te fait briller un peu, n'est-ce pas? Tu veux les coordonnées de Jacques, pas vrai? Hein? Tu veux savoir où il habite? Si tu n'es pas trop loin, tu vas prendre ta voiture, tu vas essayer de trouver sa maison. Pas pour l'aider, juste pour voir. Pour voir où il est, ce mec qui est passé à la radio. Pour le voir de tes propres yeux. Hein? Jacques, ce sera ta catastrophe à toi. Jacques, tu vois, d'après ce que j'ai compris, il a un besoin qui est un besoin humain qui passe par la tête et tu ne peux pas lui apporter. Je voulais te dire, tu sais cette hypocrisie dont je parlais en ouverture, ce faux esprit, cette fausse envie d'aider. Tu ne pourras rien apporter à Jacques. Si tu veux ses coordonnées, c'est pour toi, pour te faire du bien. Les quelques-uns qui ont appelé tout de même vont aller là-bas et faire semblant. Quand on ne connaît pas les gens, on ne peut pas les aider. On ne peut pas aider leur tête, ce n'est pas vrai. Qui est-il? Est-ce que Jacques est un type que tu aurais fréquenté? Non? Puisque tu ne le fréquentes pas. Tu es peut-être passé 20 fois en voiture devant lui, tu habites peut-être à côté. Tu t'en es jamais occupé. Maintenant qu'il est dans la détresse, tu vas faire semblant, lui donner des faux sourires, rentrer chez lui, te dire que ça pue, te dire que c'est pas possible, que c'est mal arrangé. Et faire semblant de trouver tout cela vachement chouette, quoi. La seule chose que tu puisses faire pour aider Jacques, mon vieux, son strass, son paillette, c'est du blé, de l'argent. Tu sais, ce truc un peu froid, qui lui permettra peut-être d'ajouter à sa soupe de vermicelle un morceau de pain et un bout de jambon. C'est tout ce que tu puisses faire. Tout le reste, c'est du flan. Tout le reste, c'est ce que tu sais faire le mieux. Le grand numéro, les belles phrases. Si d'aventure tu n'as pas de blé pour Jacques, fous-lui la paix, laisse-le tranquille. Pierre, tu es là? Ouais, toujours, ouais. Je t'écoute. Donc je n'ai pas parlé de l'hypocrisie, donc j'avais commencé, je sais pas si on m'a très bien entendu, en disant qu'il y avait deux hypocrisies. Non, tout ça on a entendu, la suite. Bon, ok, donc hypocrisie du système au niveau de la démocratie, on nous dit qu'on est dans une démocratie normalement tout le monde peut ouvrir sa gueule, alors que je m'aperçois que c'est pas vraiment ça, quoi. Ensuite, un autre exemple, au niveau du sida, les gens ne donnent pas de l'argent comme ça, il faut qu'on leur fasse des concerts, des machins comme ça pour qu'ils donnent du blé. Donc je trouve que c'est une forme d'hypocrisie également. Et puis enfin, dernier exemple, moi j'habite à La Rochelle, dans cette ville il y a un maire socialiste, et qui dit socialiste dit social, donc s'occuper des gens. Et en fait, les SDF, il fait des lois un peu contre les SDF pour les empêcher de faire la manche, pour les empêcher de faire je sais pas trop quoi. Voilà, c'est ce sur quoi je voulais réagir. J'espère qu'on t'aura entendu, mon vieux, et que le maire de la ville nous écoute. Je te souhaite une bonne nuit. Je te souhaite une bonne nuit. Alors, qui va là, je te prie? Bonsoir, c'est Frédéric, 25 ans, de Sestas. Oui, Frédéric. Voilà, mais je voulais réagir à propos de Jacques, et bon, ce que je veux dire, c'est que par rapport à tout ce que tu as dit tout à l'heure, je suis pas tout à fait d'accord, quoi. Dire qu'on en prend, enfin, comment dire, qu'on est bien content d'avoir entendu ça, moi, je suis pas d'accord. Hein. Tu mets combien sur la table? Je mets combien? Ouais. Moi je mets le cœur, moi, sur la table. Eh ouais, tu mets le cœur, parce que c'est pas cher, hein, ouais, Frédéric. Mais c'est beaucoup déjà, je trouve. Non, ce n'est pas beaucoup, parce que tu ne mettras pas le cœur, Frédéric. Ouais, parce qu'on ne met pas le cœur comme cela, Frédéric. Tout ça, c'est du flan, c'est du numéro.
T'arrives, tu mets le cœur sur la table. Mais il en a rien à foutre, Jacques, de ton cœur. Tu l'avais avant et tu l'auras après. Jacques, il a besoin de bouffer. Le cœur sur la table, quand tu rencontres un mec, t'es prête à mettre ton cœur sur la table tout de suite? Tu lui dis quoi? Tu lui dis d'abord, il faut qu'on se connaisse, vieux. Tu comprends? Et Jacques, tu ne le connais pas, tu vas mettre ton cœur. C'est pas à moi que tu vas raconter ça, Frédéric. Alors. Comment? Je peux lui donner de l'aide, si c'est vrai. Ouais, tu mets quoi sur la table? Je te dis, je peux lui donner je peux lui faire quelques courses, ça c'est vrai, ça je peux. Y a aucun problème. Avec quel argent? Avec mon argent. Tu mets combien sur la table? Ah, ben pour l'instant, peut-être pas grand chose, parce que moi combien, je suis au chômage, mais bon, c'est Frédéric, combien? Quoi? Combien, je te demande? Combien? Ben là, je peux lui mettre 200 francs. Là. Bon. Ceci, c'est une note, Frédéric Sestas. Oui. 200 francs. C'est vrai, je peux lui mettre 200 balles. Voilà. Je te dis, moi j'aide les gens, bon, je suis au chômage aussi, hein, je cherche du boulot dans le social, tout ça, mais même en étant au chômage, j'aide les gens qui sont autour de moi, tu vois, et c'est pas par pitié, ni par... tu vois, enfin, qui a parlé de pitié, Frédéric? C'est pas la pitié, parce qu'on croirait que c'est de la pitié, mais non. Frédéric, qui a parlé de pitié? Moi? Mais tout ce que tu disais tout à l'heure, on a dit que c'était de la pitié, en fait. Si on appelle, c'est pour la pitié, mais moi je suis pas... Non, Frédéric, moi j'ai sous-entendu ça, moi. Oui, voilà. C'est ce que tu as sous-entendu, mais je n'ai pas parlé de pitié, Frédéric. C'est vrai, tu l'as pas dit, c'est vrai, mais bon. Enfin, moi, c'est vrai que c'est la détresse, c'est vrai. Bon, il y en a beaucoup comme lui, il n'y a pas que lui, je suis d'accord. Il y en a même qui sont pires, qui sont dehors, qui n'ont pas de toit. Mais bon, si on s'y met à plusieurs et ça bouge dans sa ville, que s'il appelle vraiment comme tu lui as demandé, j'espère qu'il va faire, hein, s'il m'écoute, je lui dis, il faut vraiment qu'il appelle. Parce que je suis sûre qu'à la mairie, on va l'aider, qu'il a des aides, qu'il a droit à des trucs, qu'il est peut-être pas au courant. Et l'assistance sociale va l'aider, et enfin, je suis sûre que ça va se débrouiller. Il aura peut-être pas beaucoup non plus, mais il aura au moins un petit peu plus que ce qu'il a, quoi. Voilà. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Tu as nos coordonnées? Ouais, j'ai les coordonnées, ouais. J'attends avec impatience ton envoi, Frédéric. Ok. Je t'embrasse. Moi aussi. Allez, bonne soirée. Bonne nuit à toi. Allô, qui va là, je te prie? Gilles, 23 ans, Bordeaux. Oui, Gilles. Bonsoir Maurice, j'appelle pour... Voilà, blabla, également pour réagir au sujet de Jacques. Donc tu ne bouges pas. 0803-07-17-27, j'ai le téléphone. Gilles, 23 ans Bordeaux, c'était toi je crois. Oui, alors je vais commencer par mettre 500 francs sur la table moi ici pour Jacques. 500 francs? Oui. Chaussiste, une note, Gilles, 23 ans, Bordeaux, 500 francs. Mais il y a quand même autre chose que je voudrais dire. Dans tout ce qu'a dit Jacques, moi, il me semble qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il a dit que c'était particulièrement difficile quand on était seul. Et je pense pas forcément que tous les gens qui ont voulu le numéro de téléphone de Jacques étaient de mauvaise foi, a priori. Donc moi, je demande pas le numéro de téléphone de Jacques, mais si Jacques a besoin de parler éventuellement, moi, je veux bien laisser mon numéro de téléphone. C'est pas du tout sûr qu'il arrive à me joindre. C'est pour ça que ce serait peut-être plus pratique que j'ai son numéro à lui, mais bon... Donc ça, je propose ça, et puis voilà, quoi. Tu laisseras ton numéro, et Jacques en fera ce qu'il veut. Voilà. Autre chose? Non. Tu as mes coordonnées? Oui. Vas-y, je t'écoute. 0803-07-17-27. Oui, mais pour envoyer tes 500 balles, tu vas pas les envoyer par le téléphone. Ça, c'est vrai. Mais je ne doute pas que tu les rappelleras d'ici la fin de la soirée. Oui. N'oublie pas de ne pas t'endormir. Oui, non, ça, il n'y a pas de risque. Je te souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, Maurice. Alors, qui va là, je te prie? Oui, Jean-Luc. Quel âge as-tu, où es-tu? Comment? Quel âge as-tu, où es-tu? 40, passé, R-H-E-R-E-S, enfin. Qu'est-ce qui t'amène ici? Comment? Qu'est-ce qui t'amène ici, Jean-Luc? Non, mais tu parlais de Jacques, je sais pas qui c'est. J'imaginais que c'était peut-être le gars qui j'ai payé un récepteur radio, 99 balles, plus les piles. Non, c'est pas le gars qui, je sais pas quoi, du poste de radio. C'est Jacques, c'est un monsieur qui a téléphoné tout à l'heure et qui a dit « ça va pas bien, je bouffe une soupe de vermicelle par jour, je sais pas comment je vais m'en sortir, je sens que je suis au bout. » Tu es là? Allô? Ouais. Non, c'est mon téléphone qui marche pas. Bon, vas-y. Non, mais ça, en fait, c'est pas lui, quoi. Bon, enfin, alors, Rai, quoi.
Non, mais qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je pense de quoi? Je suppose que la mamie, elle me disait, oh, tu l'as offert le téléphone. Tu l'as offert le je parle, moi je pensais au téléphone. Je pensais, je lui ai offert une radio, c'est un peu con. Je ne comprends pas de quoi tu me parles, mon bon Jean-Luc. Comment? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Non, mais Jacques, le gars, le monsieur là, c'est pas Jacques à qui j'ai offert la radio, quoi, à la veille de Noël, quoi. Ah oui. C'est pas à lui que c'est pas à Jacques. Bon, Jacques, j'ai pas suivi. C'est quelqu'un qui m'a réveillé à 10h, voilà. C'était pas Jacques. Hein. J'ai entendu parler de Jacques, mais enfin, Jacques, je ne comprends pas. Je t'entends plus. Bon, je t'entends plus, vas-y. C'est... Allô? Oui. Allô? Bah, d'accord, Jean-Luc, tu voulais dire quoi au juste? Bon, attends, ça marche pas. Tu es là? Tu es là? Oui. Oh. Allô? Oui, parle plus fort. Allô? Il faut parler plus fort? Ouais, vas-y, parle plus fort. Ah bon? Il faut parler plus fort? Ouais. Ouais, à Jacques, je lui offre un portable. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec un portable, Jacques? Rien à foutre. Ah bon? Ah non, mais disons, c'est pour ça que je disais à la réceptrice, qu'est-ce qu'il a besoin, moi, juste? De manger? Ouais, il a besoin de manger. Il a besoin de fric. Ah bon? Tu crois qu'il a tant besoin de manger? Il a besoin de fric, ouais. Hein? Ouais, il a besoin d'argent. Comme un canard, il a besoin d'être gavé tous les jours. Tu crois ça, toi? Tu vois, Jacques, il mange une soupe de vermicelle par jour. Eh bien, mon grand-père, il a... C'est pas ton grand-père et ce n'est pas le sujet, ton grand-père. Tu mets combien sur la table, Jean-Luc? Comment? Tu mets combien sur la table? Je sais pas, demande-lui ce qu'il veut. Non, combien tu mets sur la table, je te demande, moi? Ça a mis le bal, si tu veux. N'exagère pas. Combien? Je crois pas. Je crois que ça va manquer ou quoi? Bon. Ne bouge pas, je reviens. Appelle Chaussis maintenant. Et laisse ton nom, ton numéro de téléphone et ta somme. On fera les comptes tout à l'heure. Et puis si tu veux parler avec moi, ou en tout cas tenter de parler, puisque ça merde un peu, appelle-moi. 2 minutes, pas une de plus, de ce morceau. Chaussis, dépêche-toi. Y a quelqu'un là-dedans? Voilà. Y a quelqu'un? Voilà. Démerde-toi, te secoue le machin, donne des coups de pied dedans, c'est autorisé. Faut que ça marche. Ouais. Saloperie. Secoue le truc. Dépêche-toi! Et que ça ne t'empêche pas d'appeler Chaussis. Non, ça marche pas trop. Que ça ne t'empêche pas d'appeler Chaussis, toi qui es chez toi. Là, tu vois, là, maintenant, tout de suite, nous faisons la théorie. Tu vois? Nous faisons la théorie. Le message, c'est combien t'es prêt à mettre sur la table pour aider Jacques? Combien? Tu n'oublieras pas, tiens, un mandat plutôt que d'envoyer du liquide. T'envoies un mandat. Un mandat carte. Et puis, dès demain, ou après-demain au maximum, il y aura la pratique. La pratique, c'est moi qui compte les mandats cartes. Tu vois? L'avantage de ce système, c'est que le blé, tu l'as déposé. Je sais, je te connais, tu vas me dire, oui, mais non, je suis arrivé tard, j'ai pas compris. La chose est simple. Il y a un mec dans la merde. Tu mets combien pour l'aider? Point terminé. Garde ta compassion, tes grands messages, garde tout. T'appelles, tu dis, voilà, bonjour, je m'appelle machin chose, j'habite à tel endroit, voici mon numéro de téléphone, je mets tant. Rideau. Parce que, quand un mec est dans la merde, il a pas besoin de tes messages. Il a pas besoin de tes grandes phrases et de ta poésie. L'aider vraiment, c'est pas faire semblant ou déposer ton cœur sur la table. Parce qu'autrement, ça voudra dire que tu es capable de le prendre, ton cœur, et de le déposer n'importe où,
auprès de n'importe qui, n'importe comment. Et ça, moi, je ne veux pas le croire, parce que je te connais. Ça fait des années que je te pratique, que je te vois vivre, que je te croise, que je parle avec toi, que je lis tes lettres, qu'elles soient dans les journaux ou dans ma boîte à moi. Je sais en gros qui tu es. Si tu veux faire, faisons pratique, sans état d'âme. Je mets 100 balles, 200 balles, 300 balles, 500 balles, point. Là, tu files un coup de main, d'accord. Tout le reste, c'est du gras. Tout le reste, c'est ce que tu sais faire le mieux. Dire oui, mais moi, parce que tu comprends, je vais l'aider, prendre ma voiture et l'accompagner. Combien de fois? Hein? Combien de fois tu vas l'accompagner? Une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, peut-être. 50. Mais il n'est pas certain que ce soit 51 fois. Quand tu vas le connaître mieux, le Jacques, peut-être que tu vas considérer que c'est un con. Eh ben oui. Parce que lorsque tu t'approches des plus malheureux d'entre nous, tu as l'impression que c'est une race particulière. Hein? Que c'est une mentalité spéciale. Faites de gens qui sont plus gentils. Ces gens qui sont dans la merde sont comme toi et moi. T'as l'impression que ça ne peut pas t'arriver, mais si. C'est pareil. Même genre, même style, même envie. Tu pourrais t'entendre avec eux, peut-être. Mais c'est pas sûr. Aider le mec, c'est pas venir le gonfler avec tes problèmes. Je te connais. Pourquoi tu vas aller le voir, Jacques? Parce que t'as du temps. Parce que quand l'heure des vacances aura sonné ou quand le 1er mai viendra taper à ta porte, tu connaîtras plus personne. Et je te parle pas du 14 juillet. Là, ce sera fini, hein. Les Jacques, les paumés, tout ça. Finito, terminado. La seule chose que tu puisses faire pour ce mec, c'est déposer le blé. C'est la seule chose qui soit dans tes moyens. Tout le reste, ça te dépasse. Tu te connais même pas toi-même. Qu'est-ce que tu vas aller t'approcher d'un mec que tu connais pas pour l'aider? Quand t'auras fini les cachetons, de faire grandir le trou de la sécurité sociale, là, peut-être qu'on pourra considérer qu'à un moment, qu'avec ta tête, tu peux faire quelque chose. Pour le moment, c'est la main dans le portefeuille, point. Là, on est sûr que tu fais quelque chose de bon. Ne demande pas à Jacques ce qu'il va faire de l'argent. Peut-être que Jacques va s'acheter une chaîne stéréo avec l'argent. Peut-être. Peut-être qu'il va s'acheter de nouveaux meubles. Ou mettre de l'essence dans sa Jaguar. Peut-être. Ni toi ni moi ne savons qui est Jacques. Mais t'aide ou t'aide pas. Point. Rideau. Je connais plein de types comme toi et plein de nanas de ton genre. Qui disent, moi je donne pas parce que j'ai peur qu'ils aillent acheter de la drogue. Ouais. Moi ce que je vois quand tu dis ça, ce que j'entends, c'est que tu donnes pas. Parce que tu sais toujours d'avance ce que vont faire les gens. Et tu sais d'avance ce qu'il leur faut pour être mieux. Peut-être que finalement à Jacques, pour qu'il se sente moins seul, peut-être qu'il lui faudra une grande télé comme celle que t'as dans ton salon. Avec un mec qui parle dedans. Peut-être que l'aider c'est ça. Alors je sais, tu vas me dire, oui, mais je vais la choisir moi-même, la télé, non? Faut le laisser choisir lui. Peut-être qu'il aura envie d'une télécommande rose. Peut-être qu'il aime pas le noir, le bleu ou le vert. Si tu veux l'aider, c'est ça qu'il faut faire. Rideau, tu mets le blé, et tu dis, voilà Jacques, t'as besoin d'un coup de main? Je te donne du blé. Jacques, peut-être que le blé, il va le mettre dans les taxis pour se balader, pour aller à la mer. Peut-être que c'est ça qu'il lui faut. Ah oui, j'en ai des fax. Ah oui, voilà. Ah oui, ça. On a le Fabrice qui dit, bah oui, moi ce que je pense c'est qu'il faut lui donner à bouffer. Tu vas lui donner quoi? Ce que tu manges toi, Fabrice? C'est ça? Des hamburgers? Parce que toi t'aimes ça? Mais peut-être que l'estomac de Jacques supporte pas les hamburgers. Hein? Garde ta bouffe, garde.
Envoie le blé, le fric. Peut-être qu'il mangera du pain d'épices. Peut-être que c'est ça qu'il aime. Laisse-le choisir. L'aider, c'est pas à venir s'installer dans sa vie et considérer que parce qu'on s'est déplacé, on nous doit. Parce que je te vois venir, je te connais. Tu vas dire, moi, je veux aider Jacques, je veux son adresse. Puis tu vas te pointer. Un dimanche, après le film ou après la série télé ou le match de rugby ou de football, tu vas te pointer, ça sera la balade. Puis tu vas faire semblant de l'aider. Ce que tu vas faire surtout, c'est aller t'installer chez ce mec qui a peut-être pas envie de te voir, qui aimera pas ta gueule, pas tes vêtements et ton odeur. Et au lieu de l'aider, tu vas le faire chier, tu vas le gonfler. Il sera encore plus mal, Jacques, après. Tu lui donnes du fric, il ira peut-être au bar, rencontrer des gens comme lui. Les mecs qui parlent de vélo, de montagne, ou de drogue, qui sait. Ou politique. L'aider, c'est ça. C'est pas te toucher le kiki en te disant « Moi, je sais ce qu'il lui faut à ce gars-là. » Ça marche ? Non, ça marche pas. Démerdez-vous, cherchez. Je veux pas voir sa tête, lui, tant que ça marche pas, t'entends ? Ceux qui restent dessous, qui bricolent les fils. Musique. 0-803-07-17-27, je sais sa merde, mais c'est un risque. Radio à toi. 0-803-07-17-27. Radio libre. Pour aller Jacques, David, donnez de l'argent, 500 francs, Michel, 100 francs, Jean-Luc, allez le voir, oui. Solange, assistante sociale, Frédéric, 200 francs, Gilles, 500 francs, Michel, 500 francs, Catherine, 300 francs, Jean-Luc, 5000 francs, Céline, 200 francs, Isabelle, 200 francs, Nathalie, 200 francs, et j'arrive pour la suite. Appelle, n'hésite pas, je suis là. Alors bon, moi quand j'avais téléphoné pour Jacques, j'avais téléphoné d'abord avant que le radioton soit lancé, et ensuite de manière incognito, de façon à ce que ça ne se sache pas, j'ai pas besoin de passer pour un bienfaiteur de l'humanité. Et là bon, maintenant ça a pris des dimensions qui sont tellement délire que ça ne m'intéresse absolument plus. Combien ? Moi ? Ouais, combien tu mets ? Moi zéro. Pourquoi tu veux être intéressé, Jean-Pierre ? Hein ? Tu veux que ça t'intéresse, tu veux jouer ? Ah non, ça ne m'intéresse pas. Combien ? Non, je trouve ça tellement lamentable, si tu veux, que... Qu'est-ce que tu trouves lamentable ? Que les gens donnent de l'argent ? Oui. Ouais. Oui, je trouve ça lamentable. Tu voulais mettre combien, dis-moi, Jean-Pierre ? Comment ? Tu voulais mettre combien, mon bon Jean-Pierre ? Ah ben moi, alors là, je vais te dire, j'en avais absolument aucune idée. Moi, mon but, c'était de le contacter pour savoir, justement, de ce qu'il avait besoin et si c'était de l'argent, de combien. Tout simplement. Ben, je suis déjà, Jacques. Jean-Pierre. Oui. Jean-Pierre, je suis Jacques. Oui. J'ai faim. Combien ? Oui. Actuellement, là ? Oui, moi, je suis Jacques, là, maintenant, là, ah non, tout de suite. Rien. Zéro. Mais je ne sais pas, tu m'as contacté. Tu m'as contacté. Non. Mais attends, quand j'ai contacté, moi, c'était bien avant tout ça. Et, Non, mais, Jean-Pierre. Oui. Jean-Pierre, nous sommes bien avant tout cela. Je suis Jacques. Oui. D'accord ? Tu m'as contacté. Combien ? Oui. Mais quoi, combien ? J'ai besoin d'argent, combien ? Combien tu me donnes ? Je sais pas, 500 balles en fonction de mes moyens. Alors donne 500 balles et arrête de faire des discours. Non, non. Tu vois, Jean-Pierre ? Non, je ne donnerai rien. Jean-Pierre ? Je ne donnerai rien. Jean-Ierre ? Oui ? Tu vois ça, ces grands discours, ça a pris des proportions. Mais il n'y a pas de discours, hein, que je te dis justement. Si, 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 si. Non, non, je te tiens un anti-discours. Jean-Pierre ? Le discours, c'est toi qui l'as tenu. Jean-Pierre ? Oui. Non, le discours, c'est toi qui le tiens. Non. Écoute-moi bien. Les gens qui cherchent une bonne raison, et c'est ce que tu attendais, cherchent une bonne raison pour ne pas donner. Absolument pas. Ce sont des gens qui supportent la faim de l'autre. Ben oui, mon vieux, parce qu'on veut aider. Jean-Pierre, on ne veut pas aider par rapport aux autres. On ne veut pas aider parce que les autres n'ont pas donné. Mais bien entendu, on veut aider. Ce que je veux te dire par là, Jean-Pierre. À l'heure actuelle, si les gens tiennent effectivement les promesses. Jean-Pierre. Jacques n'a plus besoin de mes 500 balles. Il y a d'autres personnes qui en auront certainement besoin. Jean-Pierre. Oui.
Mais 8000 balles pour une vie entière? Parce que c'est tu crois pour que... une vie entière, mais Maurice... Jean-Pierre. Détends-toi. Mais je suis détendu, mais... Alors détends-toi et écoute-moi, ça, deux secondes. Jean-Pierre! Oui? Détends-toi deux secondes et écoute-moi. Oui. Ces 8000 balles, c'est une fois. Toi, tu... Quand je compte, tu imagines 8000 francs aujourd'hui et 8000 francs demain. C'est pas ça. C'est 8000 francs un coup, et après ça on l'oublie. C'est fini, terminé. Mais bien entendu, mais c'est ça le problème. Ne bouge pas, je reviens. Radio Libre. Jean-Pierre, 37 ans, Bordeaux. Ah, ça me parle mal, hein. T'as pas de chance, sa mère, ne bouge pas. Moi, je vais te dire, moi, Jean-Pierre, puis j'espère pour toi que ça va fonctionner. La théorie, mon bon Jean-Pierre, écoute, puisque tu dois pouvoir entendre là maintenant tout de suite. La théorie, c'est « j'aurais donné, mais si ». C'est ça, la théorie. Soit tu es quelqu'un qui est prêt à donner, point. C'est-à-dire à te défaire 200 francs, 200 francs, 500 francs, 1000 balles. Soit tu n'es pas prêt à te défaire de ces 1000 balles, ou de ces 500 francs, ou de ces 30 balles. Alors tu vas me dire, oui, non, tu comprends, parce qu'il y en a d'autres, je préfère les garder pour plus tard. Parce que si on est trop à aider quelqu'un, ça ne m'intéresse plus, je préfère qu'il crève. Chacune des personnes qui a téléphoné pour constituer nos 8100 francs va se poser la question. Va se dire, putain, mais 8000, c'est beaucoup d'argent, j'aurais bien aimé les avoir, c'est un capital! Comme c'est moi qui constitue et qui fabrique le capital, je refuse, je me recule. Et puis, Jacques n'aura rien. Parce que toi, tu veux bien aider, mais à la condition que... C'est fini, tu veux pas aider, mon vieux. Parce qu'aider, c'est pas ça. Aider, c'est sans réfléchir, je mets ton sur la table, point. Tu aides ou tu n'aides pas. Tu veux bien aider la mamie à traverser si on peut te garantir que personne ne l'aidera après. Si on peut bien te garantir qu'elle n'a pas de bagnole et un chauffeur. Parce que si elle a une bagnole et un chauffeur, tu ne veux plus l'aider. Pourquoi? Pour quelle raison? On peut pas avoir un besoin là maintenant tout de suite? C'est pas possible. Tu n'aides que celui qui peut t'assurer qu'il va rester dans la misère, c'est ça? Alors finalement, tu n'aides pas. Tu n'auras jamais cette garantie, mon bon Jean-Pierre, je suis désolé. Tu veux que ce soit du malheur, du vrai, mais pour longtemps. C'est là que tu donnes. Mais toi, tu vas donner une fois. Si on peut te garantir que c'est du vrai malheur, du pur sucre, tu veux bien donner une fois. Parce que si tu es le seul à donner tes 500 balles, et que Jacques rappelle demain et qu'il dit « il m'en faut encore 500 », là tu vas dire « stop, je ne le prends pas en charge. Je veux l'aider ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux me payer un plaisir, c'est ça? Je veux être sûr à un moment qu'il y a plus malheureux que moi et qu'à un moment, moi, je suis plus, donc je donne. Si on me dit à un moment que ce malheureux, en constituant son capital d'aidant et de coup de main, va avoir plus que moi, je ne donne plus, parce qu'il est au-dessus. Il a plus d'argent que moi. Ah, mon bon Jean-Pierre, c'est la mentalité de chez nous. Moi, Jean-Pierre, dans ma position, je peux faire des discours. Je suis clair, carré. J'ai pas tergiversé pendant 2 heures. C'est moi qui l'ai eu au téléphone, Jacques. Je lui ai tout dit. Il m'a posé la question, je lui ai répondu. Rideau. C'est pas je vais aider si tu vas très très mal et que t'es en train de mourir là sous mes yeux. Ne demande pas de numéro, moi. Toi, t'en veux un, Jean-Pierre. Tu veux un numéro parce que tu veux acheter un morceau de misère. Un morceau de malheur de l'autre. Et quand t'auras donné tes 500 balles, si on peut te donner son adresse, tu iras le voir, c'est ça? Pour regarder comment il fait. Et si d'aventure il achète une télé, là, mon bon Jean-Pierre, là, tu vas lui réclamer ton argent. Parce qu'il aura peut-être une plus grande télé que toi.
Et s'il se perd le téléphone pour appeler... pas moi. La mairie. Tu diras, mais attends, mais il a un téléphone portable, comme moi. C'est moi qui l'ai acheté, il est à moi. Je veux pouvoir l'utiliser le vendredi. C'est pas ça aider Jean-Pierre, t'aides ou t'aides pas, Rideau. Tout le reste, c'est du flan, des discours que tu te fourres dans la tête à toi-même pour être sûr qu'à un moment, tu ne vas pas donner, mais que tu auras une bonne raison. On va voir si ça marche. T'es là? Ça marche pas. J'ai de la chance, tu vois. Oh, je sais. Enfin bon, pas toi. Mais un autre me soupçonnerait de faire exprès. Acheter un bout de misère, n'est-ce pas? Ils sont où, les gens qui donnent? Alors, toi qui es chez toi, où est le blé? Tu déposes ou tu déposes pas? Tu fais comme Jean-Pierre, tu donnes pas parce que... Moi, ce que je vois, c'est que tu ne donnes pas. Tu sais, c'est un peu comme... Il y a très longtemps, dans l'histoire du monde, quand il y avait un mec attaché, tu sais, et que les autres jetaient des cailloux dessus. Il y a des gens qui passaient qui jetaient des cailloux, sans savoir ce que c'était, pourquoi. Mais ils jetaient des cailloux parce que... Moi... Quand je lis ça, ce que je me dis, c'est qu'il jetait des cailloux. Peu importe la raison. Tu aides. Ou tu n'aides pas, Jean-Pierre. Fabrice, Jean-Luc, Jean-Louis, Catherine, Nathalie, Isabelle. Tu aides ou tu n'aides pas. Si tu ne veux pas aider, reste terré derrière ton téléphone, cache-toi. Pense-y toute la nuit, jusqu'au prochain film que tu regarderas sur ta télé, qui te lavera la tête et te fera repartir à zéro. Y a pas à me faire croire que tu veux une carte d'identité, un certificat de misère pour mettre du blé sur la table. Pense à ce moment particulier. Pense à ces 2h30 de Jacques. Ce mec qui est entré et sorti chez toi en stéréo, clac. Tu le connais pas, Jean-Pierre. Tu le connais pas, ce mec-là. Le message, c'est... Il faut donner. Tu donnes ou tu donnes pas. Autrement, tu vas rentrer... dans l'ère du monde économique. Je veux bien donner si à la condition que le mec puisse à un moment, si jamais il retrouvait du travail ou si il se découvrait une fortune, un héritage, s'il me donne 22% puisque ça correspond à la somme que j'aurais mise sur la table. Là, Jean-Pierre, si tu veux une bonne raison, tu n'aides plus, tu investis. Ça marche ? T'es pas aidé par l'électronique, Jean-Pierre. C'est un signe. Ah, la vie qu'on mène, hein? C'est vrai que... ce qu'aurait poussé celui qui donne pas à donner, c'est un petit spectacle, hein? Avec quelques stars. Et puis le Jacques au milieu... avec... comme à l'habitude, une maquilleuse pour le faire encore plus misérable, hein. Quelques lumières, un bon concert. Et puis, moi, à la fin, qui dit tous les bénéfices après mon salaire, s'il y en a donc, seront reversés à Jacques. Quand on aura payé EDF, la TVA, les impôts, l'imprimeur, tous les salariés, quand on aura donné à la ville l'argent de la salle, qu'on aura payé les voitures de location, l'essence, la bouffe. S'il reste quelque chose, on te donnera à Jacques. Alors là, tu serais venu en courant. Ou alors, Jean-Pierre, je suis sûr, ce qui t'aurait plu, c'est qu'on donne pour la misère. Ah oui, parce que là, ce n'est plus quelqu'un, c'est la misère. Alors là, on y va, on ouvre le porte-monnaie, on en met sur la table. Parce que la misère est impalpable.
Et puis, on a chacun sa misère dans la tronche. Quand on dit la misère, on voit quelque chose qui nous a marqué, quelque chose de sale, n'est-ce pas? Alors là, on donne. Si notre malheureux n'a pas les caractéristiques, n'est pas horrible, ne vit pas dans une toute petite maison dans laquelle il fait très froid et qu'il ne fait pas voir les vermicelles, là, on ne donne pas, là. Pas question. On veut de la misère, de la vraie, hein? Hein, mon bon Jean-Pierre? Non, mais je peux pas faire autrement, là. Et au niveau de l'envoi, ça se passe comment? Pas vraiment de la carte. Tu me l'envoies à moi. À l'adresse à concours, là, d'accord. Voilà. Sinon, c'est dommage, ouais, j'aurais voulu de parler à Jean-Pierre, mais bon, apparemment. Mais Jean-Pierre a pas eu de bol. Saucisse, rappelle Jean-Pierre. Si c'est possible. Tintin. Rappelle-le sur un autre téléphone, ce radin. Ah, mon bon Jean-Louis. Quel pays, hein. Ah, c'est difficile. Non, ce n'est pas difficile, c'est intéressant. Ouais. Donner oui, mais pas à n'importe quelle condition, et pas à n'importe qui. Non, mais donner, c'est facile, hein, c'est pas un problème. Enfin, moi, je trouve, quoi. Faut pas trop se poser de questions, si on le sent comme ça, et ça se fait, quoi. Ça se fait naturellement, quoi. Tiens, ne bouge pas. Toi qui es chez toi, tu veux donner, Jacques? Fais sonner. Fais sonner 0803 06. Chaussis, tu ne décroches pas, tu entends? Elle entend? Fermez-moi cette porte, bande de cochons, idiots, du village. Ceci dit, on peut aussi demander à chercher, à trouver autour de soi aussi des gens qu'on pourrait aider aussi. Non, attends. Non. Une chose après l'autre, si tu veux bien. D'accord. Toi qui es chez toi, tu veux donner à Jacques? Fais sonner 0803 07 17 27, maintenant, tout de suite. Fais sonner, toi qui veux donner de l'argent à Jacques. Allez. Allez, je compte jusqu'à 10, comme ça va pas durer toute la nuit. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon, tu peux raccrocher. Ils sont moins nombreux maintenant. Toi qui fais sonner ton téléphone, raccroche maintenant et rappelle. Pour donner ton prénom, ton âge et ta ville d'appel. Et le blé, le montant. Et Jean-Louis? Oui. Ben, voici Jean-Pierre, ça va sans doute fonctionner. Ah merde. Oui. Attends, merde, je fais une connerie. Jean-Louis, tu me rappelles, je fais une connerie. Chacun son tour. Jean-Pierre, je t'écoute. Oui, eh bien, ce que je voulais te dire, c'est que là, c'est difficile de répondre en une minute à tout ce que tu as dit. Alors bon, je vais speeder. Mais pour moi, si tu veux, la leçon, c'est que, justement, tu vois, j'ai entendu énormément d'hypocrisie, tu vois. Ça, je trouve que le thème de ton émission était bien choisi. Ensuite, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai pas besoin de donner ou de ne pas donner pour me sentir mieux ou plus mal quand je me couche le soir. Ensuite, je n'ai pas besoin de l'alibi, de la misère, je veux dire, de... C'est du flan. Du spectacle. Jean-Pierre. Oui. C'est du flan. Mais pourquoi c'est du flan? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Rappelle-toi. Le numéro que tu as fait, ici. Oui. C'est le 0803 07 17 27. Oui, je sais, oui. Tu es chez moi. Oui. Chez moi, il y a les jacasseurs, je les connais bien. Oui. Tu sais, ceux qui viennent pour dire plein de choses. Et puis, il y a les pratiques, les vrais. Ouais. Et puis, il y a d'autres catégories. Dans ces deux catégories, il y a parfois Jean-Pierre, et là tu bascules dans une autre catégorie. C'est le ceux qui voudraient, qui ferait. Non, je crois que là, Jean-Pierre, tu vois vraiment, t'as mal compris. Jean-Pierre, je vais t'expliquer pourquoi, parce que tu me connais, moi je vais pas te jeter ça sur le visage et puis ensuite fermer la porte, c'est pas mon genre. Si je dis ça, c'est pour la bonne et simple raison que tu aurais, et je te crois toi quand tu me dis quelque chose, tu aurais téléphoné pour dire je donne, d'accord? Oui. C'est la seule chose qui t'amène ici. La seule et unique chose. C'est qu'à un moment, tu as entendu combien tu donnes. Et que, logiquement, tu étais chez toi et tu t'es dit, moi je donne, je prends mon téléphone et je donne. Maintenant, tu me tiens un discours. Tu n'es pas venu pour le discours, Jean-Pierre. Parce qu'il n'y a pas de discours. Je ne t'invite pas à avoir un discours autour de Jacques et la misère et les façons de donner. Je te dis, combien tu donnes. Alors, au départ, c'est pas moi qui... Alors bon, puisque tu veux tout savoir... Non, mais attends, Jean-Pierre. Oui.
Mais si tu ne donnes pas, oui, n'en parle pas. Mais c'est pas le problème d'en parler ou de pas en parler. Si, c'est pour moi le problème d'en parler ou de ne pas en parler. C'est moi qui t'invite. Bien sûr. Je t'invite, je te dis, est-ce que tu donnes, oui ou non? Oui, d'accord, mais bon, au départ, tu avais parlé de l'hypocrisie, me semble. Ah, si tu veux parler de l'hypocrisie, parlons-en. Mais considérons que tu ne donnes pas. Rideau. C'est ce que je t'ai dit, je ne donne pas. D'accord. Et ce que je te dis... Parce aussi... que j'avais cru entendre à un moment, Jean-Pierre, tu sais, mon esprit pervers est tourné. Ah non, mais au départ... Avait cru entendre que tu voulais donner. Non, au départ, j'ai demandé ses coordonnées pour savoir de quoi il avait besoin. Parce que si tu veux, c'est très simple. C'est mon ami qui a eu la fibre qui a vibré suite à l'appel de Jacques et qui voulait faire quelque chose, moi pas. Passe-la voilà. Moi. Hein? Passe-la moi. Tu veux que je te la passe? Je veux bien. Bon, je te la passe. Bon alors, attends. Elle veut... Bon, et tu viens, bah, après ça va être, il va dire que c'est pas vrai. Ne quitte pas, hein. Je ne quitte pas, je suis là. Elle est là. Allô? Bonsoir, c'est Liane. Liane? Oui. Combien? Rien. Tu donnes pas? Non. Bonne nuit. Salut. Jean-Pierre, je t'écoute. Oui. Alors l'hypocrisie en deux mots et demi? Eh bien, l'hypocrisie en deux mots et demi, eh bien, c'est ce que je viens d'entendre. C'est ce que je te dis, c'est tous ces gens qui vont se coucher en se disant que c'est des gens bien. Non. C'est exactement les gens qui non, disent... Mais non, Jean-Pierre, mais non. C'est pas ça, mais un hypocrite. Si. Non. Là, il s'agit d'un exercice pratique. Bonjour, tu donnes combien? Mais pratique pourquoi? Parce que ça a été... C'est quelqu'un qui s'est adressé à une antenne, on est d'accord, au même titre que quelqu'un qui va faire la une des journaux. Ouais. Toi, tu as eu le discours derrière, ça a fait vibrer la fibre... Et ces gens-là ont téléphoné pour donner spontanément. Rideau. Or, des Jacques, il y en a devant chez eux tous les jours, donc à qui ils n'ont jamais filé 100 balles. Et voilà. C'est là qu'il faut se demander pourquoi. Donc tu préconises, toi, qu'on ne donne pas, c'est ça? Mais non, je ne dis pas que l'on donne ou que l'on ne donne pas. Je te dis que ça, c'est une conduite hypocrite. Voilà, c'est tout. Non, parce que la conduite hypocrite consisterait à un moment à se travestir, comme disait très justement ce garçon qui lisait la définition. Là, si tu veux, la chose est simple, il s'agit pas de s'appuyer de discours, il s'agit de dire oui ou non. Rideau. Pas d'essayer de voir si après il va y avoir bonne conscience, c'est oui je donne ou non je ne donne pas. Oui d'accord, mais tu sais très bien que quand les gens donnent ou quand les gens ne donnent pas, c'est qu'il y a une raison, les gens ils font ça pas pour Jacques, en premier lieu tu sais très bien qu'ils font ça par rapport à eux. Je veux dire, c'est quelque chose que tu sais ça, tu peux me dire Jean-Pierre. Ce que tu veux, c'est très bien que tu le sais. Jean-Pierre. Oui. Vu à l'échelle de Jacques, ça donne quoi? Non mais je te demande, moi. Réponds mais à ma question. Mais évidemment que vu à l'échelle de Jacques, c'est le bordel, je suis d'accord avec toi. Non mais moi, des Jacques... Jean-Pierre, oui. Je te demande pas s'il y a des Jacques, parce qu'il y a beaucoup de Jacques, donc toi tu ne donnes pas. Je comprends. Je comprends ton discours. Ce n'est pas mon discours. Mais si, mon vieux. Mais non, comme il y a beaucoup de Jacques moi, et que... je n'ai pas besoin de m'inventer des excuses pour donner ne pas donner. Pas donner. Non, pour ne pas donner. Tu n'as pas besoin de t'inventer des excuses pour ne pas mais donner. Qu'est-ce qui point. Te permet de dire que je ne donne jamais? Mais c'est ça le truc. Toi, t'es le premier à dire qu'il y a des moments où Jean-Pierre, tu donnes. Jean-Pierre. Oui. Jean-Pierre, tu n'es pas venu en me disant ça. Tu n'es pas venu en me disant je ne donne pas à Rideau. Tu es venu en me disant je ne donne pas parce que. Mais et à partir sûr, du mais moment, voilà, j'ai mais pas là... eu le temps de te dire ce que je voulais te dire, donc je. Jean-Pierre, je arrête. Speed. Jean-Pierre, c'est vrai, tu speed parce qu'on va arrêter. Mais pense un peu à tout ce qu'on s'est dit. Oh oui, mais ça, je vais y penser. Et oui. J'attends avec impatience ton coup de fil de demain. D'accord. Je te souhaite une bonne nuit. Moi aussi, salut. Attends, t'en vas pas. En 30 secondes, Jean-Louis, un mot. Oui, mais non, en fait, je voulais parler avec Jean-Pierre, mais... Ben voilà, il est là, vite. Non, c'était pour sur son explication qui me parlait. Bon, les gars, attends, Rideau. Chaussis, tu prends le numéro des deux, on les rappelle demain. Bon, ouais. Bonne nuit. Ainsi se termine cette putain d'émission pour ce soir. N'oublie pas, j'attends ton argent, et si tu veux donner, t'as encore 5 minutes. Pas de discours, je donne. Et si tu ne donnes pas, cache-toi derrière ton poste de radio, je veux pas t'entendre. Bonne nuit. T'en veux encore? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.